Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue les chroniqueurs de la première heure. Bonsoir Philippe Guibert. Bonsoir Pierre. Journaliste politique et commentateur. Bonsoir Joseph Massescaron. Bonsoir Pierre. Écrivain et essayiste. Bonsoir à vous Laurent Oberton. Bonsoir. Et merci d'être avec nous en direct. On va parler de ce règlement de compte à Ozoir-la-Ferrière. Vous êtes l'auteur de Guerre, qui vient de paraître aux éditions Magnus. Vous êtes également l'auteur de La France Orange Mécanique, qui a été édité la première fois il y a plus de 10 ans, qui a été réédité tellement le livre est important et on se l'arrache. Vous avez, Laurent Oberton, ironisé ce matin sur X en disant qu'on allait interdire les opinels, que la mairie de Paris va faire une campagne de sensibilisation sur le thème « Les couteaux, ça reste à la maison ». Cette France Orange Mécanique, elle est pourtant bien là, Laurent Oberton, la hache, le symbole de la hache, avec aussi le côté sacrificiel que cela comporte. Qu'est-ce que cela vous inspire, non plus comme commentaire, mais comme analyse ? Bah que encore une fois, ça fait des années que je le dis, mais que des criminologues, que des policiers, que des magistrats le disent, qu'on a affaire à une violence, à une ultra-violence qui n'a pas de précédent, qui est complètement nouvelle. Et malheureusement, on n'a jamais pris, la justice française n'a jamais pris la mesure de ce phénomène. On a des groupes qui sont hiérarchisés, structurés en fonction de la violence de leurs membres. Et dans ce monde-là, pour être accepté et respecté, on doit montrer qu'on n'a pas peur de planter et de tuer pour rien. Et le réflexe, évidemment, c'est d'avoir le couteau sur soi, de le sortir et de s'en servir. Et pourquoi pas la hache et le calibre. Et pour les conséquences, on réfléchira plus tard. Donc on est face à vraiment un phénomène qui nous paraît totalement insensé. Et on voit aujourd'hui les résultats, malheureusement, chaque jour. Et tant que la justice française ne comprendra pas qu'elle a affaire à quelque chose de nouveau, malheureusement, on en sera réduit à compter les victimes. Mais est-ce qu'on n'a pas grimpé dans l'échelon de l'ultra-violence avec, encore une fois, permettez-moi d'insister sur cet instrument qui est la hache. Alors, on a effectivement les armes à feu, on a les couteaux de différentes tailles. Là, il y a des syndicats de police qui ont parlé de katana aussi qui ont été utilisés, ces sabres japonais. Mais la hache, dans la fiction, c'est Shining, c'est Jack Nicholson. Mais il y a le côté sacrificiel aussi dans certaines religions. Et puis, la hache, c'est la mort la plus violente, la plus sanglante, la plus terrible. Ah oui, ben là, on est vraiment revenu à quelque chose de médiéval. On a aussi des machettes, enfin, ou des armes. On a des couteaux très spéciaux de 40-50 centimètres. Enfin, on est dans un monde parallèle duquel on pensait être sorti. Et voilà, on se retrouve au milieu d'affrontements comme ça en plein jour dans des lieux publics. Hein. Là, on parle de RER, mais on a ça la semaine dernière. Si vous voulez, cette semaine. On a eu un jeune qui a été abattu devant une discothèque. On a eu un autre la même nuit qui a été poignardé à mort devant une autre discothèque en Alsace. On a eu quatre tués par balle. Enfin, et c'est comme ça tous les soirs, tous les jours. Et donc il y a une inertie, il y a une sorte de chose débridée qui se met en place. On n'a plus peur de l'autorité. On sait que les peines quand on est mineur sont moins importantes et du coup il n'y a plus de limites. Oui, alors c'est ça, le sentiment d'impunité est énorme et surtout la justice fait beaucoup moins peur à ces individus qui composent ces bandes que le pouvoir qui émane de ces bandes, parce que encore une fois dans ce milieu-là, pour exister, pour ne pas être la victime, il faut montrer qu'on n'a pas peur d'être violent et de tuer, de passer à l'acte. Donc on se conforme à cette logique. Et à côté de ça, la justice, la prison, c'est un petit peu paradisiaque dans les prisons françaises aujourd'hui. Paradisiaque. On sait que c'est un passage obligé. Les délinquants organisent leur trafic depuis les prisons, ils ont les téléphones, ils ont des commodités, ils peuvent même commander des prostituées au parloir. Donc vraiment, la justice est vraiment très très en retard sur l'appréhension de ce phénomène. Philippe Guibert. Oui, bonsoir. Quelle est l'explication pour vous principale à cette culture de la violence qui s'installe dans une partie de notre jeunesse ? Quelle est l'explication au fait qu'effectivement, depuis une dizaine d'années, on a une augmentation des homicides, des tentatives d'homicide, des coups et blessures volontaires avec une violence particulière ?
Bah, c'est assez difficile à expliquer. C'est vraiment un constat. Je passe un peu après les sociologues et anthropologues pour simplement observer que voilà, dans chaque quartier, dans chaque lycée, dans chaque collège périurbain, on a ces phénomènes de bande et que pour ceux qui les composent, leur manière d'exister, de s'affirmer et cette violence complètement, sans aucune limite. On a des actes. Mais qui sont tellement abominables que je peux pas vous raconter ici d'actes de torture, qui passent sous les radars parce qu'on peut pas parler de tout et la presse ne recense qu'une partie, que la part immergée de l'iceberg. Mais c'est très difficile à expliquer. Et pour le coup, la justice devrait plutôt proposer des réponses extrêmement dissuasives, et après on essaiera de comprendre le phénomène, parce que là pour le coup si on continue à ne pas répondre de façon ferme, on est dans la mise en danger des citoyens qui n'ont rien demandé. Joseph Massescaron. Oui, bonsoir Laurent Burton. Il y a un parlementaire, Carl Olive, qui a proposé, je crois que c'est ce matin, donc sur l'antenne d'Europe 1 notamment, la possibilité d'avoir recours à l'armée. Qu'est-ce que vous en pensez ? De toute façon, pour faire en sorte que ces individus cessent leurs activités criminelles, il faut que la sanction soit plus dissuasive que les attraits de tels actes, de telles déprédations. Et malheureusement, on en est très loin pour l'instant. Mais après, voilà, prendre à bras le corps ce phénomène, il faudra prendre des mesures qui seront extrêmement décriées, extrêmement difficiles à prendre. On voit par exemple le Salvador, à quoi on en est réduit. On est obligé d'enfermer, de mettre en prison tous les types qui portent des tatouages parce qu'on imagine qu'ils font tous partie des gangs. Et malheureusement, faute d'avoir pris les mesures quand il était temps de les prendre, on va se retrouver à gérer des situations qui sont complètement impossibles, et avec des mesures pour le coup, malheureusement, qui dépasseront le cadre normal de ce qu'il est convenu de faire dans une démocratie, si vous voulez. Merci beaucoup Laurent Burton d'avoir été quelques instants avec nous. La France orange mécanique à lire, et Guerre, votre dernier livre aux éditions Magnus. Dans un instant, retour à l'actualité avec les débatteurs et le journal permanent. À tout de suite. Europe 1 soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Joseph Massescaron et Philippe Guibert pour passer en revue l'actualité. On va écouter le ministre de l'économie. Il était l'invité ce matin de la grande interview Europe 1 CNews. Et il parlait justement du narcotrafic, du trafic de drogue qui gangrène les petites villes. Écoutez Antoine Armand au micro de Sonia Mabrouk. Je suis élu d'une ville qui est Annecy. Et je constate que, y compris dans des villes où il n'y avait hier pas d'immenses difficultés de sécurité, de trafic, de drogue, ça augmente. Il faut le voir. Et il faut, vous savez, la phrase de Clémenceau, il faut dire ce que l'on voit d'abord, pour ensuite agir correctement. Alors, dire ce que l'on voit, je pense qu'on le fait suffisamment sur Europe 1 et également chez nos cousins de CNews. Je pense le narcotrafic, là. L'histoire de la hache, apparemment, ce sont des rixes entre bandes rivales ce sont des adolescents. Ce sont des adolescents. Oui. Joseph. Avec un élément que vous avez souligné, Pierre, et à mon avis, à juste titre, c'est-à-dire que la hache, c'est quelque chose d'autre, c'est-à-dire ce n'est pas le couteau, malheureusement, qui défraie les chroniques aujourd'hui, c'est pas le katana, le sabre, etc. Non, la hache, ça a quelque chose, en effet, de sacrificiel. Ça veut dire que on est dans le rituel. On est dans le rituel et que la violence, ce n'est pas la violence pour s'accaparer quelque chose, ce qui est évidemment bien sûr condamnable, ça va de soi. Ce n'est pas une violence pour se venger, mais c'est une violence nécessaire à leurs yeux parce que ça fait partie du passage rituel. Mmh. D'où la hache. Mmh. La hache dans nos histoires, vous voyez, la hache qui tue le taureau dans les civilisations minoennes, vous pouvez remonter. Ou qui tue le mouton bien sûr, lors de la fête de l'Aïd. La hache a un sens. Un sens, et il faut vraiment s'en rendre compte et mesurer que là, il y a en effet quelque chose
malheureusement, de supplémentaire dans l'horreur qui vient de se passer. Oui, et notre journaliste qui a fait beaucoup de terrain, grand reporter Nicolas Tonef, me faisait part aussi que dans les années 90, lorsqu'il y avait eu des otages au Daghestan, justement, ils avaient été décapités à la hache. Et ça avait bien sûr marqué les esprits. Philippe Guibert. Oui, les risques entre bandes rivales, pour avoir travaillé il y a une trentaine d'années en banlieue parisienne, entre les bandes de Cergy et les bandes de Conflans-Sainte-Honorine et des alentours, elles étaient assez régulières. Ce qui est très inquiétant, c'était déjà inquiétant à l'époque, ce qui est très inquiétant, c'est le degré de violence, effectivement, qui augmente. Le phénomène de bandes, de tribus, n'est pas tout à fait nouveau, mais qu'il s'organise à ce point. On est d'accord. Depuis le livre de Michel Maffezoli, Le temps des tribus, qui remonte déjà il y a 30 ans à peu près. Voilà, hein, c'est ça. Bien sûr. Mais le fait qu'il s'organise autour d'une telle violence, effectivement, le côté rituel de passage d'épreuves. C'est ça. D'épreuves pour montrer qu'on est un homme, hein, c'est ça. Hein. Bien sûr. Bah, il a 16 ans, enfin. Et donc, ça se passe effectivement à 15, 16, 17 ans. Bien sûr. À quelque chose de très inquiétant. Et on est confronté à ce phénomène. Alors, moi, je me pose une question. Est-ce que la diffusion des trafics de drogue dont vous parliez précédemment, est-ce qu'elle n'ajoute pas à la culture de la violence ambiante dans les quartiers, pour un certain nombre de jeunes? Est-ce que la réponse n'est pas dans votre question, Philippe Guibert? Est-ce que tout se règle par la violence désormais, puisque entre gangs de trafic de drogue, on s'élimine à la Kalachnikov, y compris entre gamins de 15 ans? Bah, y compris des gamins de 15 ans, parce qu'on l'a expliqué sur Europe 1 depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois, c'est que maintenant sont engagés des jeunes de plus en plus jeunes, parce absolument, que quand ils sont gaulés, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression triviale, eh ben, la ils peine ont... de prison est plus courte. Ouais, donc absolument. Après, ils ressortent et c'est là tout le problème. Et de là est venu également le débat sur l'excuse de minorité à propos d'un parquet spécialisé pour le narcotrafic. Écoutez ce qu'en disait Alexis Corbière, il était l'invité ce matin de la matinale de TF1. Moi, je dis attention, je vois le ministre de l'Intérieur, M. Retailleau... Qui parle de mexicanisation. Voilà, bon, ça c'est de la communication. La mexicanisation, il faut faire attention aussi qu'il n'y ait pas de trumpisation de la vie politique. C'est-à-dire, que pourquoi mexicanisation? Il y a déjà eu des criminels en France, il faut les combattre, il faut remonter les filières, il faut donner les moyens à la police de donner des moyens d'investigation. Et est-ce qu'il faut une nouvelle loi avant la fin de l'année? Typiquement, pourquoi une nouvelle loi? Les lois, à mon avis, permettent de combattre le trafic de drogue. Par contre, des moyens d'investigation, des policiers sur le terrain. Et est-ce qu'il faut un parquet national anti-stupéfiant pour qu'il y ait peut être intéressant. Ça peut être intéressant qu'il y ait des moyens et en particulier une justice qui permet de travailler au plus fin. Mais s'il y a un nouveau parquet, il faut aussi des magistrats en plus, etc. etc. Là, là-dessus, il y a débat, hein, Joseph Passescaron, sur le fait de savoir s'il faut un parquet spécifique ou pas. Mais moi, enfin, c'est ce qui me frappe, c'est que cette question du narcotrafic est en train vraiment complètement cette fois d'entrer dans le débat. C'est-à-dire qu'il n'en sortira pas. C'est terminé. Comme à une époque, l'immigration ne savait pas. Mais cette question du narcotrafic est dans le débat. Donc, en effet, Carl-Olive a cité cette possibilité de parquet national. Et je pense que une majorité de parlementaires pourrait aller dans ce sens. Aller dans ce sens. Alors sur l'autre volet de sa proposition, en revanche, c'est-à-dire sur l'intervention de l'armée, là je suis moins enthousiaste. Non, c'est pas une question d'enthousiasme. Je pense que se fera pas. D'abord, pour que l'armée intervienne, cher Philippe, il faudrait des munitions à nos militaires, hein, et on n'en est pas là. Je plaisante bien sûr, mais enfin à moitié. Mais simplement sur le parquet national, oui, c'est quelque chose qui peut. Je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit en un mot le ministre de l'économie, qui a dit oui dans les petites villes du type Annecy. D'abord, Annecy, c'est pas une petite ville, hein, c'est quand même une ville importante. Or moi, il est élu de là-bas, laissons-lui l'appréciation. Oui, mais petite ville, laissons-lui l'appréciation. C'est pas une grande métropole. Non, mais d'accord, mais moi je connais plein de villes qui sont des villes de 4000, 5000 habitants, je ne vais pas les citer, et je parle en connaissance de cause, où le trafic de drogue et ça y est, réel. Ils sont implantés, ils sont là, et ça y est. Et on ne les délogera pas, de trouver des solutions importantes. Philippe Guerre, un dernier mot sur ce sujet, après on change. Oui, mais il faut aller plus loin que le parquet anti-mafia de la drogue.
Il faut réfléchir vraiment sérieusement à ce qui a marché en Italie. La lutte anti-mafia en Sicile, c'est celle-là qui a eu du succès. Et il y a eu toute une législation spécifique qui peut aller avec un parquet anti-mafia, d'ailleurs c'était le cas en Sicile, avec une législation qu'avait commencé à préparer Dupond-Moretti avant son départ, sur les repentis, sur des aménagements de l'état de droit aussi. Parce qu'il faut peut-être une législation d'exception pour battre des mafias. Donc la réflexion devrait aller plus loin. On devrait tous s'en saisir pour qu'on mène ce combat et pas simplement dans les mots. 19h39, dans un instant, on parlera du séminaire gouvernemental et de l'esprit d'équipe que voudrait Michel Barnier. Je vous ferai entendre un petit son assez intéressant d'ailleurs.